Tiens, je te retrouve pour une nouvelle saison? Ouais. Wow, ici on n'est pas rassuré. Alors, on est entouré de voisins. Là, on s'attaque à une espèce de ferme, encore une fois. Donc, ça va être surprise. Apparemment, il y a de la voiture. On va essayer d'aller voir ça. Allez, suis-moi. Chaque fois, elle nous fait le coup, t'as vu? Y a encore, on arrive encore à reconnaître les pièces. La plupart du mobilier est encore là. Ce qui est de valeur a disparu, naturellement. Non, c'est assez sympa. Hein. Pareil, ça ne paye pas de mine de l'extérieur. Une fois dedans, c'est bien. Il y a une partie qui est vraiment vide. Et après, il reste le garage, effectivement, et encore des voitures. Donc, on va y aller, je pense. Donc, voilà. Pour l'instant, c'est pas trop mal, je dirais. Allez, on continue. Propriétaire était amateur de Vauxhall, la marque de voiture. Je ne sais pas s'il est réparé ou c'était ses voitures perso de tous les jours. Ensuite, donc elles sont stockées là, malheureusement très mauvais état. Voilà, il y en a qui sont amusés à sauter dessus, je pense. Voilà. Je crois que c'est la première fois qu'on tombe sur des voitures, non? Ouais. Voilà. Il me semble, hein, je ne me rappelle plus. Voilà, donc là c'est sympa, 4 voitures. 5 voitures en réalité. Bah alors, le bilan de la visite. Bilan, on va dire moyen plus. Non, c'est vraiment bien. Pour commencer la journée, pas mal. D'ailleurs, on va pas tarder parce que les voisins commencent à se réveiller. Mais sinon, non, on rappelle que bon, on arrive à reconnaître les pièces. Il y a des lits, salle à manger, cuisine, les voitures, sympa. Voilà, non, on regrette pas. Bon, ben, la suite pour un prochain épisode. Salut!